J'espère que vous allez bien, c'est la Dengago Team pour nos derniers vlogs. On est de retour sur Tokyo. On est au Sakura Ryokan à côté de Asakusa, un beau petit quartier avec la Tokyo Skytree à visiter, le temple de Asakusa. On va aller se balader à la journée, on va un peu explorer les environs. Avec un peu de chance, on verra un petit Matsuri. Quoi, Matsuri? C'est un festival japonais avec plein de. Avec plein de petites, comme une petite kermesse en France, un peu si tu veux. Et aussi, cet après-midi, je vais aller à un truc précis que les enfants japonais adoraient à l'école. Oui, on va te montrer un petit jeu traditionnel japonais. Je ne le dis pas pour l'instant, on le garde pour la suite du vlog. Voilà, vous avez pu voir qu'on est en plein centre de Tokyo, dans une auberge traditionnelle japonaise. Comme dans Totoro, qu'on appelle un Ryo. Ryo quoi? Ryokan. Ryokan. Lily, attends, on peut pas en placer. Qu'on appelle un ryokan, ça permet vraiment de se plonger dans la culture japonaise. Dans notre série de vlogs d'il y a 3 ans, vous avez déjà vu. On en remontre un, ça coûte 150 euros la nuit. Franchement, on a un bel espace pour nous. Vraiment, on est seul, on est tranquille. Et voilà, ça va dormir sur les petits futons là. Titi, je sais pas, il a trouvé un placard pour dormir et il essaie de se mettre dedans. Ah, t'as trouvé une télé. Et puis voilà, et par contre on a dans cette partie-là, on a la salle de bain pour nous intégralement parce que dans le reste du Ryokan, donc le Sakura Ryokan, c'est comment? Iri quoi? Sakura Ryokan Iriya. Iriya. Iriya, ça. Voilà, demandez-nous si vous voulez les liens dans la description. Voilà, allez, on va partir manger parce que c'est pas tout, faut manger. Ils ont allumé les télé, ils sont bloqués devant. Ça va Lizzie, c'est bien? Allez. Et de retour la team à juste 10 minutes de notre Airbnb, enfin pas Airbnb d'ailleurs, Sakura Ryokan officiel. On est dans le quartier de Asakusa, petite rue commerçante, piétonne, très sympa. On va évidemment aller voir ce qui se passe autant, voir si c'est un peu des festivités. En tout cas le quartier est toujours très sympa, j'adore ce quartier, à chaque fois qu'on y est, on y est bien reçu. Et c'est la 4e fois qu'on vient à Asakusa. On avait déjà monté la Skytree il y a 5-6 ans, donc du coup on va pas la remonter, surtout vu le prix, ça doit être au moins... C'est quoi par personne la Skytree? Moins 20 euros, non? Une vingtaine d'euros, donc on n'a pas vraiment envie de mettre 60-70 euros pour la remonter encore. Donc voilà, en tout cas on va profiter un peu du quartier et on va se faire un truc pour manger, pour démarrer évidemment. Et du coup ce que j'aime bien dans ce quartier, c'est vraiment que la tour est jamais très loin. Oh, quelle surprise! Quel acteur! Et elle est vraiment, vraiment magnifique! Elle fait 500, un peu plus de 550 mètres, je crois. Elle est quand même moins grande que la TNB 618, celle de Kuala Lumpur, la nouvelle. Mais elle est vraiment impressionnante de par son architecture. Dur à dire, architecture. Thank you.
trouvé un petit spot en bord de... sous la tonnelle là. Et en fait, on va manger un ramen. Allez, moi ça va partir là-dessus. Hop. Un peu de sous. Voilà. On a les crédits, c'est bon, on commande. Ok, un petit ticket pour un ramen pour Papa Dame. Bon, le quartier est devenu super touristique, t'as des gens qui sortent en kimono traditionnel juste derrière moi. C'est assez cool. Après on va pas se mentir, hein, je pense que Instagram a fait exploser le nombre de kimonos en location. Je vais pas lire en japonais. Tiens. On va faire un Google Traduction avec le téléphone. T'inquiète. Vas-y, tu mets ta pièce là, là. Il y a le trou là. 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 Voilà. Ensuite tu prends le. Tu prends ça. Let's go, devant moi, let's go. Mélange, et après, tu sors un bâton de l'ardoise. Sors un bâton. Mets-le un peu à l'envers. Ah, bouge pas. Tiens. Bon, bâton, il est là, ton bâton. Ensuite, ton bâton, c'est marqué quoi dessus? Alors, c'est le chiffre 11. Alors, 2, 10 et 4. Oui, attention. 2, 10, 4. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à chercher. Regarde. 2, 10, 4. C'est le petit tiroir là. Tu le vois, Titi? Il tire le quatrième tiroir en partant du haut. Là, c'est 2, 10, 4. Bien joué. Tire, voilà. Prends un papier. Voilà, ferme la boîte. Et maintenant, suspense. Retourne. Attention. Qu'est-ce qui est marqué en haut là? Voilà. Là, c'est plein de kanji là-dedans. Et là, c'est que des kanji, et là, c'est la merde. Bon, on revient dans 5 minutes avec Google Trad. Wow, les bon, mots, les neuneux, quoi. En fait, il y a des traductions derrière dans toutes les langues. Et du coup, bah ouais. Alors, c'est une bad fortune, Titi. Pas de chance, Titi. Alors, trois femmes ne devraient pas se rencontrer ensemble parce qu'elles parlent trop fort. C'est quoi ça? Alors qu'elles échangent des mots de des promesses, cela ne se réalisera jamais. Ouais. Allez Titi, vas-y. C'était pas une bonne chance, vaut mieux pas le garder alors. C'était pas une bonne chance du tout. C'était que de la mauvaise fortune.
Même mariage, tout ça. Ouais, tu pourras pas être marié pour l'instant, c'est pas terrible. Ouais. Tu pourras pas avoir du travail pour l'instant. Vaut mieux acheter une maison maintenant. Non, y a rien qui va. En fait, tu vois que t'es trop petit. Je pense que ouais. Trop petit. C'est bon ? Si tu fais un œuf. C'est bon, Titi, t'en sors ? Allez, c'est bon, allez. Bas de chance. Hop. Il y a du monde, beaucoup de Chinois. On entend beaucoup de Chinois. Et on a noté avec Disney que c'était tous les Chinois qui étaient en kimono. Voilà. Alors maintenant, mon Titi, je vais te montrer ce que c'est la plus grande crotte du monde. Une grosse crotte en or. Tu veux ? Oui, j'ai. Tu la vois là-bas ? Ouais. Ça s'appelle la crotte de Philippe Stark. C'est un Français qui a fait ça. Et voilà la jolie crotte de Philippe Stark. Belle crotte, hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? T'as laissé un peu ? Wow. Ah. Il y a des cuisseaux, le gars. Je te dis pas. Ouais, pour ceux qui veulent, voilà. Sans réservation, le kimono. 3900, ça fait un petit 25 euros. Et même pour les enfants, si vous voulez. C'est quoi ça, Didine ? Quoi ? Non, la meuf qui a pas envie de parler. Non. Qu'est-ce que tu viens de m'expliquer ? C'est quoi ce truc-là, le Yamato Transport ? Yamato Transport. En fait, c'est un service, ça s'appelle le Takubin. On peut trouver ça en faisant une recherche sur Google. En fait, tu déposes tes valises et puis tu les fais envoyer à ton prochain lieu de destination. Ça t'évite en fait de prendre les transports avec tes bagages qui encombrent, bah, qui t'encombrent et qui encombrent tout le monde. Donc tu déposes tes valises là, puis tu les récupères par exemple à Kyoto. Trop bien. Takubin, des. On est allé voir les prix à l'intérieur. Ça dépend de la région du Japon où tu vas envoyer. Et petite valise, grosse valise, 80 jusqu'à 200 cm. Ça va jusqu'à du 4000 yens par valise. C'est 30 balles. Je vais essayer de trouver un petit imprimé-écran. Je vais vous le mettre juste là. Là. Juste là. Le truc précis. On arrive, c'est par là-bas normalement. Un petit jeu traditionnel japonais. Non, la tristesse. Il est fermé. Tu en as lieu ? Bah ouais, mais c'était celui-là qu'on avait repéré. Oh. Bon bah du coup on est parti dans un autre petit quartier. Marché 10 minutes pour aller prendre un petit café vers 5h au Hat Café qui est juste là. Il a l'air ouvert, c'est une bonne nouvelle. Ah, ils font des jolis petits cafés. Comme ça. Vous voyez, avec des petits chats, des petits nounours, des petits pandas. Quoi ? T'es déçu ? Oh, il est déçu. Bon voilà la team, c'était le Hat Café, donc le café il est pas mal, regardez, il est bien sculpté, bien bon. Bah ouais la team, on s'est fait, on n'a pas de réservation, donc on s'est fait lourder du café. Le mec nous a dit, oh, vous pouvez faire takeaway machin. En plus, elle arrive, elle fait tomber la petite table qui était là. Je l'ai senti super saoulé qu'on débarque comme ça. Bon, il nous a dit, vous pouvez attendre là sur le coin, mais par contre vous takeaway, vous prenez, vous buvez dehors. Je me suis dit, ouais bon, allez, laisse tomber, on se casse. On se casse et puis du coup voilà, on est parti, parce que je ne me voyais pas avec la sculpture dans la rue, on avait juste envie de se poser, passer un bon moment. Voilà, c'était gâché, du coup bon, on est parti où ? Au 7-Eleven, au moins ils prennent tout le monde. Non, c'est pas au 7-Eleven, c'est au Family Mart, mais aussi au Family Mart au Japon il y a des sushis. Au moins lui, je perds pas la forme. Eh ouais, je suis désolé, mais c'est vrai que j'ai du mal à cacher ma frustration quand je suis saoulé. Et le fait qu'ils nous disent non, non, vous le prenez, vous allez dehors, et après en fait il est revenu dans la rue. Il m'a dit non non mais venez vous pouvez le voir sur le côté là de comme des clébards. Ça m'a saoulé, en vrai ça m'a saoulé vraiment. Et du coup bon c'est pas très grave, c'est comme ça. C'était le Hat Café. On enchaîne malchance sur malchance là. On est dans un coup de mou, on va remonter la pente. On a pris une bonne boisson gazeuse et puis quelques bons becs. On va les bons que t'as pris là. C'est quoi les melon mix? Melon mix, ça a l'air bon ça. Alors c'est bon ce truc ou quoi? Ouais, c'est pas mal. Waouh! Un Sangoku, grandeur nature. Go. C'est ton héros? Tu vas être aussi fort que lui ou pas? Stylé de ouf quoi. Énorme. Vas-y, vas-y, vas-y.
caca de Lily? La team, nous voici arrivés à la Tokyo Skytree. Enfin, on a marché, mais alors marché. Elle est absolument monumentalement haute. Et en fait, on marchait. On marchait toujours, mais en fait, elle n'était jamais là. Mais alors, c'est impressionnant, quoi. Fou. À la bonne team. Avec la madre, au moins, on a trouvé un endroit où ils ne rejettent pas. Juste là. Puis la Skytree, il y avait un festival America Tokyo Beer. Un truc plutôt chouette. C'est pas donné, hein, se mentir. C'est quasiment 7€ la bière. Mais bon. Les enfants jouent. Nous, tranquille, on picole au bar. Japonais traditionnel, c'est magnifique. J'espère que vous avez adoré cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plein de vidéos en Asie et en Malaisie. Sinon, si vous voulez découvrir la Malaisie sur mesure, rendez-vous sur notre site internet ladeglingoteam.com. Enfin, pour nous suivre au quotidien sur les réseaux, c'est évidemment sur Instagram que l'on est le plus présent. Merci beaucoup.